Bonjour. Le message est clair. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Alors, on va se faire parler d'amour pendant toute la célébration. Si vous n'aimez pas ça, vous êtes fait. Hein? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Seigneur Jésus, tu nous as choisis par amour pour que nous soyons tes disciples. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu fais de nous tes amis. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous communiques ta joie d'aimer. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos hésitations à nous engager à la suite de Jésus et nous conduise à la vie éternelle. Dieu notre Père, toi dont l'amour est tout puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée, chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, je ne suis qu'un homme moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole.
Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit-Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit-Saint tout comme nous? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Car il a fait des merveilles, par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire. Et révéler sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, et révéler sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé,
Moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Alors, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Correct. L'homélie est faite. Alors, il ne reste plus un qu'à s'aimer. Hein? Mais c'est ça, c'est ce bout-là qui est difficile. Avant ça, on parlait beaucoup de la providence. Vous rappelez-vous de ça? La Providence, pas la bâtisse à côté, là. Même si ça peut être celle-là. Mais Dieu prévoyait pour nous. Fais confiance à la Providence. Vous savez, ma mère disait ça souvent, ma tante disait ça aussi. Il avait dû apprendre ça de leur mère, leur grand-mère et leur communauté. Hein? C'est comme si Dieu était en avant de nous autres. Il nous précédait. Fait que, tu sais, ça veut dire que si je m'en vais quelque part, il faut que je m'attende tout à coup à rencontrer Dieu quelque part. Ce que j'ai besoin de faire, c'est d'avoir des yeux pour le connaître. Un jour, il y a un gars qui voulait faire baptiser son fils. Fait que j'ai dit oui, parfait. Mais il dit, je t'avertis, là, je crois pas à ça au baptême. Ah oui? Pourquoi tu le fais baptiser? Ben parce que ma mère, elle veut que je le fasse baptiser. Ah bon? Alors tu le fais baptiser parce que ta mère le veut. Il dit oui, puis il dit, écoute, moi, là, il dit, tout ce que ma mère demande, il dit, moi, il dit, je ne veux pas être en conflit avec ma mère. Là. Il dit, c'est bien plus facile de dire oui à ma mère que de commencer à m'ostiner pour ne pas faire baptiser mon fils. OK, baptisons-le. Dans la foi de la grand-mère. Alors on baptise, puis là, à un moment donné, pendant qu'on fait le baptême, là, je dis aux gens, bon, est-ce qu'il y avait vous quelque chose à dire, à exprimer? La grand-mère ne dit pas un mot. Mais lui, puis sa femme, commencent à parler. Et là, ils disent tellement des belles choses que je me dis, mon doux Seigneur, j'aurais jamais dit des si belles choses sur le baptême. Puis à la fin, ils font une prière. Ils appelaient ça un souhait, mais entre moi et vous autres, là, c'était bien plus une prière qu'un souhait. Ils remerciaient, puis... Ils disaient aussi tout ce qu'ils souhaitaient pour leur enfant, puis ils remerciaient leurs parents, puis en tout cas, tout ce que tu veux. Hein? Ben, comment ça? Tu sais, je me suis dit, c'est quoi qui s'est passé là? La Providence. Dieu était déjà dans le cœur de ces parents-là, puis eux-mêmes ne le soupçonnaient pas, la grand-mère non plus, puis moi non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là? C'était une reconnaissance de l'Esprit qui était déjà présent. Comme Pierre, quand il est arrivé chez Corneille, il a commencé à faire ses affaires, là, puis il s'est rendu compte à un moment donné que, pouf, la famille était déjà sous l'emprise de l'Esprit
T'sais, l'Esprit se manifestait déjà là. Bien, il a dit, on va lire. Corneille avait demandé le baptême, puis c'était pas un croyant. C'était pas un chrétien. C'était même pas un juif. Fait que là, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas refuser le baptême. L'Esprit est déjà là. Dieu nous précède tout le temps. Il est toujours avant nous autres, en quelque part. C'est pour ça que la parole dit toujours, Dieu nous a aimés le premier. Alors moi, ma mère m'a aimé avant que je l'aime. Mon père aussi, j'espère. Hein? Il y a toujours quelqu'un qui nous précède dans l'amour, dans la vie, dans tout ce qu'on fait, en fin de compte. Puis nous autres, on va être aussi ceux qui vont précéder les autres, qui vont, à leur tour, recevoir de l'amour puis de la vie. C'est comme ça que ça marche. Je travaille dans un cégep la semaine où il y a 6 000, entre 6 et 7 000 étudiants. Et combien sont croyants là-dedans, je ne le sais pas, puis peut-être qu'eux autres même ne le savent pas non plus. Mais à toutes les semaines, je suis surpris de voir comment Dieu travaille avec eux autres. C'est ça qui me nourrit. Je ne vais pas là pour apporter Dieu dans un milieu dans lequel Dieu ne serait pas là. Je vais là pour voir qu'est-ce qu'il fait. Puis je trouve qu'il fait des belles choses. Cette semaine, il y a une étudiante qui me dit, « Marcel, j'aimerais te présenter quelqu'un. » Ah oui? Alors, je dis, « Ben, amène-moi. » Il s'appelle Simon. Elle dit, « J'aimerais ça. » Elle dit que Simon te parle. Elle dit, « De ce qu'il m'a parlé. » Ah oui, Simon parle. Simon dit, « Depuis que je suis petit, je pense à être prêtre. » Ah oui? Tu y penses encore? Il dit, « Oui. » Ben, il dit, « Je pourrais-tu, il dit, savoir un peu comment ça marche? » Il dit, « Comment me renseigner? Comment avancer là-dedans? » Ben, pourquoi pas? Hein? Alors, à côté de moi, là, il y a un jeune là, qui est là depuis 2 ans. Je le savais pas, moi, là. Il était là, lui-là, là, puis le bon Dieu est en train de le travailler tranquillement. Dieu nous précède. Je voudrais vous raconter à toutes les semaines des affaires de même. Hein? C'est la même chose pour nous autres cette semaine. On va rencontrer Dieu en quelque part où est-ce qu'il est, parce que Dieu, il arrive toujours du bord qu'on ne l'entend pas. Du bord qu'on l'attend, c'est nous autres qui courent après lui, puis de l'autre bord, c'est lui qui court après nous autres. Fait que choisissez le bord que vous voulez, mais c'est plus le fun du bord de la surprise, à mon avis. Hein? Alors, s'ouvrir à ça. Hein? Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça veut dire que moi, là, j'ai commencé ça. Vous autres, vous avez un qu'à suivre. Ça s'est toujours passé. Demeurez dans mon amour. L'amour était là. OK, embarquez dedans. Je termine par la joie. Ce qui nous empêche souvent d'être heureux, c'est nos problèmes personnels. Bon, je me plains de telle affaire. Je me plains que le monde va mal. Je me plains que si, je me plains que, bon, j'ai une maladie. Je me plains que je vais tout bien avoir quelque chose à faire qui me stresse. Je me plains que ça va vite. Je me plains. En tout cas, mettez-en. Moi, j'appelle ça des zones d'ombre dans nos vies. Il y a de l'ombrage. Il y a des nuages. Puis souvent, au lieu de dire, bon, le nuage va passer, puis le soleil va arriver, je cours en dessous du nuage. Tu sais, pour continuer à garder mon nuage en dessous de au-dessus de ma tête. Mais en dessous du nuage, il n'y aura jamais de lumière. Il faut que j'attende, des fois, que le nuage passe, puis la lumière va être là. Les gens aujourd'hui qui ont de l'espérance, c'est les gens qui sont capables de dire, il y a de quoi de mieux qui va venir. C'est pas la fin du monde, la providence est là. Bon, juste à côté. Alors, c'est un peu ça, la joie, qui des fois nous habite pas parce que on est tellement habité par nos problèmes ou par nos plans de carrière ou nos réussites, peu importe, qu'on oublie que la joie est là présentement et on n'est pas capable de l'intégrer à notre vie. Ça fait du sens un peu, ça? Peut-être à mon âge. Parlant de la joie, il y a des semences ici qui sont là. Ce n'est pas des graines d'oiseaux. Hein? J'ai vérifié. C'est des vraies semences. Et dans chaque semence, il y a un germe de vie.
on va les bénir. Mais en bénissant les semences, on va bénir aussi le germe de vie qui est en nous, le germe de joie qui est en nous, le germe d'amour qui est en nous et qui ne demande qu'à éclore. Alors, je vais bénir ces semences. Vous pourrez en apporter chez vous après. Il y a des petites enveloppes pour apporter ça. Et l'eau bénite, c'est de l'eau d'érable. Offerte gratuitement par le comité du Festival d'érable qui fête 60 ans cette année. Alors, ça valait la peine qu'on bénisse enfin l'eau d'érable. Et des petites cuillères après, si vous ne croyez pas, vous pourrez en prendre pour voir si c'est fait. Puis si ça ne goûte pas trop l'eau d'érable, faites confiance. Seigneur, c'est toi qui nous as donné le germe de vie qui nous habite. Tu nous l'as transmis à travers nos parents, notre famille, notre communauté. Bénis ces semences et donne à ceux et celles qui vont faire ce geste de semer quelque chose dans leur jardin, dans leur terrain, dans leur vie cette année, ce printemps, d'avoir la joie de cheminer et de grandir à travers la confiance qu'ils font en ce que tu nous as donné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Disons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Après chacune des intentions, nous pourrons dire ensemble, « Par Jésus ressuscité, exauce nos prières. » Pour que l'Église témoigne de l'amour universel de Dieu pour les hommes et les femmes de toutes nations, parfois rejetés à cause de leurs origines, ensemble prions. Par Jésus ressuscité, exauce nos prières. Pour que les croyants et croyantes des diverses religions se mettent au service de la justice et de la paix, ensemble, prions. Par Jésus ressuscité, exauce nos prières. Pour les personnes qui souffrent de se sentir indignes d'être aimées, pour les exclus et les laissés pour compte, ensemble, prions. Par Jésus ressuscité, exauce nos prières. Pour que tous les enfants du monde aient droit à la vie, à l'amour et à la joie, ensemble, prions. Jésus ressuscité, exauce nos prières. Pour que nos communautés chrétiennes témoignent avec authenticité du visage de Dieu amour, ensemble, prions. Jésus ressuscité, exauce nos prières. Pour tous ces jeunes qui sont devant nous, et qui représente dans notre communauté l'espérance, la providence, la joie et le désir de vivre, prions le Seigneur. Dieu notre Père, en Jésus, tu nous as communiqué ton amour pour que nous puissions aimer comme lui. Donne-nous chaque jour ta grâce et nous porterons ainsi des fruits qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je voudrais t'envoyer en vie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donne la vie, qui sanctifie toutes choses par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe et de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion, de sa résurrection, de son ascension auprès de toi, alors que nous attendons son retour, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de chacun et chacune de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de Marie, la Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Mgr Lacroix, les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi tous ceux et celles qui sont dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et en particulier, ce matin, nous nous rappelons Jean-Claude Tardy. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dieu est créateur, mais Jésus nous a dit aussi qu'il était notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous la paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
Dieu notre Père, comme un ruisseau qui constamment jaillit de sa source et irrigue la terre, fais que ton amour créateur m'habite réellement et devienne créateur d'amour dans ma vie, toi qui vis avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Nous recommandons vos prières, Mme Cécile Mercier de Plessisville, décédée à l'âge de 91 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Saint-Pierre-Baptiste samedi. Aussi, Mme Louise Thibodeau de Plessisville, décédée à l'âge de 81 ans. Funérailles célébrées aussi samedi, ici à Plessisville. M. Claude Brochu de Lister, 75 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Lister hier. Mme Claire Gosselin-Hince de Victoriaville, mais autrefois de Plessisville, âgée de 102 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Saint-Calixte. Il y a une fête de la fidélité à Plessisville et Laurierville bientôt. Alors, ceux qui, celles qui célèbrent des anniversaires de 25, 30, 35, 40, 45, 50, si vous dépassez 36 au lieu de 35, là, cassez-vous pas la tête, vous pouvez venir pareil. Et vous pouvez vous inscrire en regardant dans le feuillet paroissial, toutes les indications sont données. Aussi, un avis à toutes les personnes engagées bénévolement dans nos communautés. Vous êtes conviés à un 5 à 8 à l'espace Sophia, vendredi le 11 mai, c'est-à-dire vendredi prochain. Nous désirons vous présenter un projet de renouveau pastoral pour notre grande paroisse. Après une courte présentation, nous vous consulterons pour vous demander votre avis. Il s'agit là d'une première rencontre, parce qu'on va avoir des changements à vivre. Alors, après avoir recueilli vos avis, nous présenterons par la suite le projet amélioré à l'ensemble des paroissiens d'ici juin prochain. Alors, cette invitation concerne les membres du comité d'orientation pastorale, les membres du comité de consultation, les équipes qui sont, les personnes qui sont membres des équipes d'animation locale, les personnes qui font partie de la liturgie, les directeurs de chorale, les musiciens, les animateurs de chant, les membres de l'Assemblée de fabrique, ceux qui font la catéchèse, en tout cas, tout le monde, quasiment. Alors, organisez-vous pour être dans un comité quelconque ou bien donc vous n'avez rien qu'à dire que vous êtes intéressé à la communauté pour vous accueillir. Alors, c'est vendredi prochain, le 11 mai, de 17h à 20h, à l'espace Sophia, à Sainte-Sophie d'Halifax. Vous pourrez, après la célébration aussi, venir chercher des grains de semences. Ici, c'est de la semence de pelouse. S'il en reste, moi, je vais prendre le reste, j'en aurai besoin, mais prenez-en en masse. Alors, vous pouvez en mettre n'importe où. L'idée, c'est de semer quelque chose dans notre vie, dans notre monde, cette semaine. Il y avait, à cette heure, quand il y a un couple qui ça va pas bien, là, ils peuvent consulter à cette heure. Ils vont voir quelqu'un, puis des fois, ils appellent ça, je ne sais pas comment, là, mais alors il y a un couple qui avait consulté, puis la personne leur avait dit, écoutez, à cette heure, au lieu de vous parler, écrivez-vous pour un bout de temps. Ça fait qu'au lieu, tu sais, vous allez penser ce que vous allez dire, puis la personne va pouvoir aussi vous entendre dans un ton plus neutre. Bon, ça fait qu'il avait commencé ça, il s'écrivait. Fait qu'un soir, avant de s'endormir, le mari écrit à sa femme, il marque sur l'oreiller de sa femme, « Réveille-moi à 5 heures demain matin. » Parfait. Fait que le lendemain matin, il se réveille, il est 8 heures. Là, il n'était pas content. Mais sur la table de chevet, c'était marqué, sa femme avait écrit, « Il est 5 heures, réveille-toi. » Elle suivait les consignes. On ne dit pas qu'est-ce qui s'est passé par après. Je ne sais pas si vous êtes allé au Festival des Rames un peu. Êtes-vous allé voir les cow-boys? Est-ce qu'ils étaient fringants? Très fringants. Alors, cet après-midi, il y a encore quelque chose. Je pense que c'est une fête à tir. Ça a lieu à l'amphithéâtre avec les Blancs de mémoire. C'est une très bonne... je dirais, c'est un... Si vous avez déjà écouté La Bottine souriante, ça ressemble à ça, mais avec des gens du coin. Alors, bonne fin de festival, puis je vais vous souhaiter une bonne semaine aussi. On va demander au Seigneur qu'il nous bénisse avant de partir.
Merci beaucoup à tous ces jeunes qui viennent à l'occasion s'engager dans la communauté. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est leur dernier dimanche. Ils vont venir à l'automne. Et là, ils vont avoir grandi 10 pouces chacun. Là. Mesurez-les à peu près. Là. À l'automne, ils vont être encore plus grands. Alors, merci beaucoup. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne journée, bonne semaine. Allons dans la paix du Christ.